Bonjour et bienvenue dans ce top 10 consacré au meilleur survival horror. Le survival horror est un sous-genre des jeux d'action-aventure, inspiré des fictions d'horreur. Bien que des aspects de combat puissent être présents dans ce type de jeu, le gameplay fait généralement en sorte que le joueur ne se sente pas aussi puissant qu'il ne le serait dans un jeu d'action, et ce en limitant par exemple la quantité de munitions, d'énergie, d'endurance ou encore l'incapacité de pouvoir se défendre. Le joueur doit parfois chercher certains objets pour avoir accès à un passage vers une nouvelle zone ou résoudre des énigmes à certains moments. Les jeux utilisent des thèmes d'horreur et le joueur est souvent confronté à des environnements obscurs et à des ennemis qui peuvent surgir de nulle part. Le terme survival horror est utilisé la première fois pour la sortie japonaise de Resident Evil en 1996, qui est influencé par des jeux d'horreur sortis auparavant, tels que Sweet Home sorti en 1989 ou encore Alone in the Dark sorti en 1992, qui est considéré comme le père du survival horror moderne. Attention tout de même aux jeunes joueurs qui pourraient être heurtés par le contenu de cette vidéo. On commence tout de suite avec Fear 2 Project Origin, sorti en 2009 sur PC 360 et PS3. Bien que ce ne soit pas un survival horror pur, de par son ambiance, son atmosphère glauque et son contenu gore, Fear 2 reste un FPS horrifique de qualité. Vous incarnez le sergent Michael Beckett qui effectue une mission de routine dans la ville d'Auburn. Après quelques minutes, une explosion cataclysmique causée par le personnage dans Fear premier du nom rase une partie de la ville. Le père d'Alma l'a réveillée et elle veut se venger. Les apparitions d'Alma Wade s'intensifient tout au long de l'aventure et ont de quoi vous terrifier. À la 9ème place, Monolith Productions, les créateurs de la saga des Fear, signent là un petit bijou. Digne des grands films policiers à suspense comme Seven ou Le Silence des Agneaux, réalisé en 2005 sur 360 et PC, Condemn exploite nos peurs les plus profondes, la peur du noir, la peur d'être seul ainsi que la peur de l'inconnu. On incarne un inspecteur de police accusé à tort du meurtre de ses coéquipiers dont il doit prouver son innocence. Vous devrez pour cela explorer les bas-fonds de la ville et vous défendre comme vous le pourrez à l'aide de tuyaux de canalisation, de haches ou bien de barres de fer. Véritable survival horror psychologique, mêlant le sordide et le glauque, Condemn pousse le joueur petit à petit dans la paranoïa. Pour cette 8ème place, Frictional Games frappe un grand coup avec Amnesia The Dark Descent sorti en 2010 sur PC, Linux, Mac et PS4. Le joueur évolue dans un vaste château de l'époque victorienne comportant des caves, des laboratoires ou encore des cachots ainsi que beaucoup d'autres zones à explorer. Le joueur peut prendre à peu près n'importe quel objet se trouvant dans l'environnement et l'examiner en le faisant pivoter sur lui-même à l'aide de la souris. Le joueur doit éviter de faire baisser la santé mentale de Daniel en restant dans des endroits lumineux ou en évitant d'assister à des événements perturbants. Si cette jauge est trop basse, la vision du personnage est trouble et ses déplacements deviennent difficiles, ce qui augmente sa vulnérabilité. De plus, Daniel est dans l'incapacité de pouvoir se défendre. La fuite est donc le seul moyen d'échapper à une créature cauchemardesque qui le poursuit à travers les couloirs sombres du château. En 7ème position, un jeu qui aura marqué les esprits de par son gameplay innovant dans la série des Resident Evil. Il s'agit bien entendu de Resident Evil 4, sorti en 2005 sur GameCube, PC et PS2, ainsi que sur d'autres plateformes. On y incarne Leon S. Kennedy, envoyé en Espagne par le gouvernement américain pour sauver la fille du président des États-Unis, qui a été kidnappée et retenue en otage par une mystérieuse secte. Les décors ne sont plus fixes mais en 3D temps réel et la vue est à la troisième personne. Le personnage principal est vu de dos et légèrement de côté selon une logique cinématographique de type caméra à l'épaule. Les ennemis réagissent différemment en fonction des dommages qui leur sont infligés, comme par exemple tomber lorsqu'ils sont touchés à la jambe, ce qui permet de développer une stratégie de combat variée en fonction des situations. Une gigantesque refonte de gameplay des codes de la série des Resident Evil qui permettra à ce dernier d'être nommé jeu de l'année 2005 et qui inspirera par la même occasion bon nombre de jeux d'action à la troisième personne. Pour cette 6ème place, Naughty Dog, surtout connu pour la série des Uncharted et des Crash Bandicoot, signe là un des meilleurs jeux de l'année 2013, remportant de multiples récompenses. C'est bien évidemment The Last of Us, sorti en 2013 exclusivement sur PS3 et remasterisé en 2014 sur PS4. On y incarne Joel qui évolue dans un monde post-apocalyptique, ravagé et devenu ruine, dans lequel les deux personnages principaux, Joel et Ellie, se battent pour récupérer munitions et vivres, en luttant pour leur survie contre le reste de la population décimée par une infection incontrôlée.
Le jeu est très immersif et surtout très bien écrit, avec un scénario de qualité qui plonge le joueur dans un univers à la Walking Dead. Les personnages sont touchants, convaincants et procurent des émotions fortes au moment de certaines cinématiques. The Last of Us ne révolutionne rien quant à son gameplay, mais l'atmosphère, les personnages et l'ambiance font de ce jeu quelque chose de rarement atteint dans le jeu vidéo, l'émotion. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier de terreur. À la cinquième position, j'ai nommé Alien Isolation, sorti en 2014. Le joueur incarne la fille de Ripley, qui est à la recherche de sa mère. Christopher Samuels, un synthétique de Weyland-Yutani, l'informe de la récente localisation de la boîte noire du Nostromo. The Creative Assembly, à l'origine des Total War, met en avant des éléments d'infiltration et de survie, dans lequel le joueur incarne et contrôle la protagoniste Amanda Ripley en vision subjective. Pour progresser dans le jeu, le joueur doit explorer une station spatiale et atteindre plusieurs objectifs tout en évitant ou en éliminant certains ennemis comme des humains ou androïdes au comportement hostile. Mais le personnage est très vulnérable car les ennemis sont beaucoup plus forts que le joueur. De plus, le xénomorphe traque le joueur sans relâche tout au long du jeu. L'alien ne pouvant être tué, le joueur se doit d'adopter la fuite afin de survivre. A noter que le DLC L'équipage peut être sacrifié permet d'incarner les personnages du film Alien, doublés vocalement par les acteurs de l'époque. Pas de doute, Alien Isolation est un jeu incontournable. À la quatrième place, Outlast, sorti en 2013 sur PC 360 et PS3. Vous incarnez Miles Upshur, un journaliste qui enquête sur des activités étranges se déroulant dans l'hôpital psychiatrique Mount Massive Asylum. Comme dans Amnesia, le personnage ne possède aucune arme et ne peut pas attaquer les antagonistes. Il sera donc contraint de courir ou de se cacher pour survivre. Le joueur possède un caméscope qui se révélera fort utile tout au long de son aventure, puisque les environnements y sont très obscurs. Grâce à son ambiance esthétique et surtout sonore, Outlast s'inscrit dans ce qui se fait de mieux en termes de malsain et de gore. Mieux vaut avoir le cœur solide avant de se lancer dans cette aventure. Un chef-d'œuvre à cette troisième place, voilà ce qui qualifie Silent Hill 2. Sorti en 2001 sur PS2, cet opus est avant tout un survival horror psychologique. Véritable cauchemar éveillé, James Sunderland, le personnage que l'on incarne, débarque dans la ville de Silent Hill après avoir reçu une lettre mystérieuse de sa femme, morte 3 ans auparavant. Bercé par la musique d'Akira Yamaoka, le jeu est avant tout très mature dans son écriture métaphorique et évoque des thèmes comme la solitude, le sexe, le désespoir et d'autres sujets tabous. Les personnages sont complexes et atypiques, l'ambiance y est pesante et oppressante et torture James comme le joueur d'ailleurs, plongeant dans le malsain notre esprit au fin fond de Silent Hill. Visceral Games propose là un des meilleurs survival horror sortis en 2008 sur PC, PS3 et 360 qui le place à la deuxième place. Le joueur y incarne Isaac Clarke, référence directe à Arthur C. Clarke, auteur de 2001 L'Odyssée de l'espace et Isaac Asimov, auteur de Fondation. Isaac est un ingénieur chargé de réparer un brise-surface du nom de USG Ishimura qui ne donne plus de signes de vie. Très vite, on comprend pourquoi. En effet, le vaisseau est infesté de nécromorphes ayant pris possession de l'équipage. Isaac devra donc affronter la gravité, utiliser la capacité de stase pour ralentir les ennemis et découper ces derniers de manière tactique, car le seul moyen de les tuer est de les démembrer. Un véritable survival horror qui plus est dans l'espace, couplé d'une bande sonore exceptionnelle où chaque bruit rend le joueur de plus en plus paranoïaque. Crier à l'aide ne servira à rien, si ce n'est à attirer les immondes créatures qui parcourent l'USG Ishimura. Mention honorable pour Pity, une démo consacrée à la promotion de Silent Hills, sortie en 2014 exclusivement sur PS4. Ici, on récompense ce qui aurait pu être probablement un très bon survival horror, mais le projet fut avorté pour diverses raisons. C'est pourquoi il ne figure pas dans ce top 10. Pour Kojima, le but de Pity était d'offrir une expérience horrifique différente du gore ou de la violence, comme une préparation au jeu que devait être Silent Hills. Malheureusement, il faudra attendre avant un nouvel épisode sur Silent Hill.
Véritable précurseur sorti en 1992 sur DOS, macOS et 3DO, le jeu est développé et édité par Infogrames et réalisé par Frédéric Reynal. L'histoire est inspirée par les films de George Romero et les nouvelles de Howard Philip Lovecraft. Elle se déroule dans un vieux manoir en Louisiane, réputé hanté, dont le propriétaire s'est récemment donné la mort. Dans la peau du détective privé Edward Carnby, ou d'Emily, la nièce du défunt, le joueur mène l'enquête dans le manoir. Le jeu est acclamé par la presse pour sa réalisation technique et son ambiance horrifique. Il remporte plusieurs prix en France et au Japon. Et il est le premier survival horror de l'histoire du jeu vidéo, genre popularisé par la suite avec les séries Resident Evil et Silent Hill. Un jeu aux multiples appellations, R-Remake, Resident Evil Rebirth ou encore Resident Evil HD Remaster, se place en tête de ce classement. Sorti en 2002 sur GameCube puis remasterisé en 2015, ce remake de Resident Evil 1 place la barre très haut. Considéré comme le meilleur Resident Evil de la saga, la version remasterisée a subi quelques changements par rapport à la version de 2002. Les graphismes ont été retravaillés, des armes défensives font leurs apparitions, tout comme certains ennemis comme Lisa Trevor. Les zombies peuvent ouvrir les portes et muter en Crimson Head, devenant plus forts et plus rapides. A noter aussi l'apparition de nouvelles zones comme le cimetière et la cabane de Lisa. Au final, ce Resident Evil n'a rien perdu de sa puissance et mérite largement cette première place. La nostalgie a-t-elle parlé ? Probablement.